plus na CCTV ma solo belé bandeko biso tozola na te me savoir de savoir plus partout aux Ali na Kinshasa na Brazzaville partout de savoir plus et de représenter par l'archiviste musical Romain Louslavana Sebo et savoir plus ma solo belé monsieur Mito Sara Libanda vraiment le lo directeur n'est pas producteur directeur programme mais moi comme mon zambé pourquoi pas Bruno Nzinga et à tout là chef Aleka Bongo a décidé qui tout ça l'émission est là encore en direct na plateau ya CCTV masole bele lo na savoir plus vraiment l'émission chronologique musicale et puis tu as appelé invité la j'ai invité mon Gazali et le lo déjà savoir plus tour le bela tout ça hommage à l'artiste musicien drummer Jean-Marie Belobingen Kerme alias Merjo. Et Merjo a été drummer à Zaïko, la malanga depuis fondation Zaïko, mais en commençant par Bandarano aux Abatères, Robert Angonda, mais par après, donc Bimetre Drum, on a Micho Bodo, premier drummer à Zaïko, mais Merjo a comme qui drummer, et Nakatia Orchestre Zaïko, la malanga, c'est-à-dire après, après être aux Abatères. Les œuvres jouées et composées par Merjo. Et ma soule belé pourquoi pas ma chef de l'abisso, Pedro Tukoloba, Didou Motiri, Romain Makonda Lindoyi, Moron Zame Monsre, Bruno Nzinga, Atunga, et puis Fiso Atunga, et chef Alain Kabongo. Ma soule belé l'a mission d'abisso à Merjo, hommage à Merjo, qui s'est au Akoufagi depuis jeudi le 27. Août 2020, dans la Belgique, dans Liège. Voilà. Alors, on retourne vite à l'émission. Papa, King George. King George, bonjour. Bonjour, Romain. Et puis, tu es content encore? Ça fait vraiment plaisir. Ça fait. Tu es content, mais ça va bien. Parce que tu es dans le même domaine de prédilection. La chronique musicale, bah, analyse, l'actualité, histoire. Alors, c'est un guitou régulièrement parce que ma solange est toujours dynamique et évolutive. Voilà, Merjo a sauté. Merjo a tiré l'épisode jeudi le 27 août, dans Liège, en Belgique. Dans Liège, en Belgique, vous direz, soliste, moi, j'ai eu ma team à Pioso, à Fabre de Liège, le 26 avril 1996, ma team à Pioso, Zéphirin. Mais Merjo, pour la Merjo, c'est un artiste qui a marqué une école, une époque, dans la mesure où, à l'époque, dans l'histoire de la musique, il y avait une bipolarisation. Il y a deux genres musicaux qui s'imposaient. La rumba fiesta et la rumba odemba. Il y a respectivement l'école African Jazz et l'école Oge Jazz. Mais il lui fallut un mouvement de jeunes. Bah, Belgicain, et bah, tout Zaïna, ensuite Zaïko. Alors, dans cette génération, Zaïko a s'imposé. Et comme on le sait, Zaïko a été bêta, soit selon l'une ou l'autre école. Parce que Zaïko a deux ancêtres spirituels. Tout Zaïna, naba Los Nikelos. Los Nikelos, c'est vraiment la rumba fiesta. Tout Zaïna, c'est la rumba odemba, parce que Zaïko est dans la lignée à Oge Jazz. Zaïko, Zaïko bêta, selon l'une ou l'autre école, mais à un moment donné, Zaïko a été provoqué, et le Komoko Yassika, un nouveau genre musical, a été s'imposé entre les deux écoles, où Zaïko, l'école, l'école y a aîné, mais bango, bah, tout jeune, bah, mineur, bah, il y a un Komoko Yassika. Alors, il y a une sorte de boom avec. La rumba Kavasha Oyo Merjo yakiko imposé à partir ya voyage Oyo Zaïko Salaki pour bakoma na de Brazzaville vers Pointe Noire ma clic ba cliqueti on a rue motrice ya train ba collègue naye tout à fait tout à fait parce que les gens doivent savoir effectivement ce que Merjo a apporté de nouveau. Mingi toyoka makele la pampa mba kingandi amema tel, kingandi amema tel, kingandi amema tel, meba koka ko prouve yangote. Et tant to se retrouvera na ba débat, ils sont à court d'argument. Mais ya Merjo, c'est vraiment
quelque chose de palpable. Parce que même les percussionnistes de la République démocratique du Congo, ils sont très bien. Et ici, j'étais autour d'une table avec Paul le Perc, qui est un des percussionnistes, qui a reconnu cela. Parce que techniquement, il faut un professionnel pour démontrer le bison. Alors, Paul le Perc l'avait démontré. Donc, cliquez-y, on a une roue motrice, il y a train. Oye za ikaba makele lo bango bazako yoka. Bazokende pointe noire. Na train babengi Micheline. Train d'abord ezali babengi machine te. Kombo etikala na meri jo. Machine ya kauka. Il y a plusieurs éléments où ils ont concourir na kombo na parce que papa na yepo za machiniste. Bavani pe na quartier. Kauka. Mécanicien de pièceliste non attrape. Voilà. Bavani pe na quartier Kauka. Donc c'est l'ensemble de beaucoup de tous ces éléments. Maintenant, dans le cadre de la profession, il y a qu'on s'est matérialisé. Comme il y a lieu à la production, dans Pointe Noire, Mbuta Machakado, dans Evoloko, mais là il y a une mesure un peu de trop. Bon, je ne sais pas dire, ce n'est pas nécessaire de le dire ici, ce que c'est Kuitianini, mais Mbuta Machakado m'avait dit clairement que Mbelaki Mwadiamba. Parce que c'était des enfants terribles. Ça, c'est Mbuta Machakado qui me l'a confirmé au cours d'une interview. Alors, soumettre collègue Nabango Mary Jo na épreuve. Épreuve en Zaginini à reproduire ba bruiwana ya cliquetis à roue motrice ya train à l'aide de ses baguettes na batterie. Il a fourni alors des efforts jusqu'à ko atteindre rythmique wana mais eloko moko ezala kozanga po bruit wana ezala complet. C'est ainsi que Zaiko, par l'entremise ya Mary Jo, comme le deuxième drummer après Baudouin Micho, mais le premier drummer a imposé un nouveau style. Allez, Baeko Zaiko maintenant Baeko insérer la caisse claire dans la composition de la batterie, et Mary Jo a réussi à reproduire les mêmes bruits. Il y a cliquetis, il y a roue motrice, il y a train Micheline, et il y a une machine à Kauka, bit kavacha et botami, écrit en étikala Mary Jo, voilà. Kumba bisona machine à Kauka. Voilà, Mary Jo, machine à Kauka. Par après, Mary Jo Kotake Kafira, et Kafira l'Équateur, et prison à Saraki, mais à Bimaki. Mais 77, tout, mais quand nous avons tourné disque à la Bissot, de Tobaki, et savoir plus, et de Bissot, à précision, et tout dans tourné disque à Tourna Fono, devant Bissot, et Toro, quand nous avons 45 tours, nous avons dit Bissot, Mary Jo, à composer qui, nous avons le titre Sangela. En 1977. Déjà, un tourné disque à la Bissot, 45 tours, nous avons déjà. Et en 1977, voilà, édition Mary Jo, puisque là, on a un ribé de la qui, et bon, mon boulot, et ma producteur, bah, la guité. Le roi militaire, mon gros, au cas de ribé, on a mis 45 tours. Nous avons vu édition Lengos, nous avons vu l'édition Express Nyonche, nous avons vu souvenir Massa, ouais. Et il y a eu encore édition Bakounde, le Pablo, nous avons vu Mangobo, en 1978. Voilà. Le Mary Jo a signé qui, après prison, nous avons vu le Bossa composé qui Sangela. 45 tours et en 1977, édition Mary Jo, distribution à Alain Moulet, Mary Jo numéro 1. Voilà. Alors, ma précision, comme il y a une émission chronologique, une émission des archives, voilà tout, on a une émission à Sangue.